attaquer le faufon. Revenez vite. L'énergie, la puissance. Mon peuple en est dépendant. Cette addiction se fit jour après la destruction du puits de soleil. Bienvenue dans l'avenir. Je ne suis pas à portée. Dommage que vous arriviez trop tard pour tout arrêter. Plus personne ne peut désormais se dresser contre moi. C'est la Maasha Lanore. Vous avez tenu tête à certains de mes plus talentueux conseillers, mais personne ne peut résister à la puissance du marteau de sang. Je vous présente le Seigneur Sanguinard. 100%. Capernaum fera en sorte que votre séjour ici ne se prolonge pas. Les signes d'oreilles règnent en maître. Bien. Vous êtes digne de mesurer votre talent à celui de mon maître ingénieur Télonique. Comme vous le voyez, j'ai plus d'une corde à mon arc.
Peut-être vous ai-je sous-estimé. Il ne serait pas très loyal de vous faire combattre mes quatre conseillers en même temps, mais mon peuple n'a jamais été traité avec loyauté. Je ne fais que rendre la politesse. Échouer maintenant. Je ne laisserai pas l'avenir que je prépare être remise en cause. Vous allez goûter à ma vraie puissance. Que la fortune soit avec vous. Dionys, bienvenue. Prenez tout votre temps.
sur le raid. Yo tout le monde, c'est Trios et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle. Vu que je compte pas rester longtemps. Yo tout le monde. Hey, welcome back guys, c'est Dadou. J'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit tuto pour avoir le Drake du Crépuscule. Alors comme vous pouvez le voir, moi je ne l'ai pas, parce que je viens seulement d'apprendre qu'on pouvait l'avoir très facilement. Et bien comment? Et bien de la même manière que le Drake noir, c'est en tuant Sartarion, sans tuer les généraux, mais cette fois en mode 25 joueurs. Donc avant d'entrer dans le raid, pensez bien à passer en mode 25. C'est bon, voilà. Et donc pareil, on se retrouve encore dans la désolation des dragons. On descend au temple du repos du verre tout en bas par la faille. C'est toujours le même portail, toujours en face, toujours le même type, toujours la même chose. C'est pas compliqué, juste le mode de joueur, le nombre de joueurs qui change. Donc on arrive, on fonce sur Sarta, on lui coupe la tête rapidement, et on prend le Drake et on se barre. Donc voilà. C'est très simple. Allez, allez. Alors oui, j'ai changé de personnage parce que évidemment c'est le même jour que je fais cette vidéo, le même jour que c'est fait celle du pour le Drake noir. Du coup, j'ai l'idée. Bon, il est un petit peu plus, voilà, il résiste un peu plus. Oh, ouais, en plus j'ai
Le haut fait, tac, je ramasse tout de suite. Et je l'ai vu passer. On les laisse arriver, ils sont pas violents. Je vais les déglinguer dès qu'ils sont tous là. Je crois que c'est bon. Et allez, c'est parti. Tourbilol, il n'y a plus personne. Voilà, nickel. Ah, attends, je t'ai oublié. Bah, qu'est-ce qu'ils font là ? Ok. Alors, voyons voir. Au ramasson. Donc, toujours pareil. On a un beau sac avec 22 emplacements. Un peu de trucs avec des PO. Voilà, on gagne un peu de PO. Hop. Et donc, notre Drake qui se trouve ici. Et voilà, les règnes de Drake du crépuscule. Ça y est, je les ai moi aussi. Dans la foulée, on a eu quoi comme au fait ? On a eu. Bon, bah, ça non. Attaquer et vaincre Sartarion alors que les trois gardiens sont vivants en mode 25. Ouais, bah les trois qui vont avec en fait. Ah, puis avec un titre en plus, vainqueur du crépuscule, donc ça vaut le coup. Vous voyez bien que ça vaut le coup de venir le faire ça tranquillement. Pareil en mode 10 joueurs, on a les, Ophé, les mêmes Ophé, mais en mode 10 et avec un autre titre, vainqueur du crépuscule, je crois, je ne sais plus quelle connerie. Donc c'est pas grave. Allez, on va tester tout de suite notre monture. Comparé au Drake Noir, c'est clair que celle-là, le niveau skin, bah, c'est beaucoup plus haut. Y a pas de doute. Allez, Drake du Crépuscule. Et voilà, on a notre Drake du Crépuscule, pas mal du tout. Il a de belles couleurs. Je le trouve plus beau que les autres Drake, parce que la plupart des Drake, faut le dire, ils sont quand même assez moches. Donc voilà, ça fait déjà le deuxième tuto. Il y a deux montures, pareil. Bon bah là, c'est, si vous tuez pas les généraux autour, c'est pareil, c'est 100%. Y a pas de piège, y a rien de spécial. C'est tout simple. Vous prenez le temps, l'occasion, vous faites les deux. Pour le Drake Noir et pour le Drake du Crépuscule, ça vous avance dans vos, dans votre fait pour les montures, pour ceux qui veulent le haut fait, ou ceux qui veulent juste changer de monture pour se la péter un peu. Celle-là, elle est vraiment pas mal du tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher des commentaires, et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Hey, welcome back, guys! Comment allez-vous ? On se voit plus tard. Je vous souhaite une bonne journée. Faites un bon voyage.
Et salut à tous, c'est Elio. On se retrouve pour une vidéo pour le farming de monture. C'est très simple, hein. Là ça va être le renne de Dracazur. Donc c'est une monture très facile qui se loot en Orfriend et plus précisément au niveau de l'œil de l'éternité, donc le Nexus dans la région de la toundra boréenne. Donc vous allez voir, c'est une instance très facile de niveau 80 avec un niveau 100, ça se fait en 3 minutes chrono. Si vous voulez, vous pouvez même prendre un niveau 90, ça ira de la même manière, ce sera très facile. Donc l'entrée se situe ici au niveau du Nexus. Vous trouverez précisément l'entrée en haut, ici. C'est très facile d'accès, ça se fait vraiment en 5 minutes, vous allez voir, c'est tout bénef. Donc le renne de Dracazur, c'est une monture de Lich King, donc, qui fait partie des plus belles, je trouve. Des montures, c'est du basique, c'est du classique, mais on aime ça. Hop. Donc pour lancer le boss, il suffit de cliquer sur l'orbe et voilà, Maligos descend. Donc vous allez voir, ça prend vraiment 3 minutes, même pas. Quand il rentre en P2, bon, moi je suis un peu lent parce que je suis un tank, mais c'est pas grave, ça le fait quand même. Je le termine à la luciole et voilà. Patience à ses limites. Je vais me débarrasser de vous. Je pensais mettre fin rapidement à vos existences, mais vous avez fait preuve de plus de résilience que prévu. Quoi qu'il en soit, vos efforts sont vains. C'est vous, mortel, imprudent et suicidaire, qui êtes responsable de cette guerre. Je fais ce que je dois, et si cela signifie votre extinction, ainsi soit-il. Je dois d'abord choisir une cible. Assez ! Si c'est la magie d'Azeroth que vous voulez, alors vous l'aurez. Vos bienfaiteurs font enfin leur entrée, mais ils arrivent trop tard. Les puissances contenues ici sont amplement détruire 10 fois le monde de vous. Les mortels vont tout détruire. Ma sœur, qu'est-ce que tu as? J'ai fait ce que j'avais à faire, mon frère. Tu ne m'as laissé aucune alternative. Et ainsi s'achève la guerre du Nexus. Cette résolution m'attriste énormément. Mais la destruction... Salut. Tuto sur des montures ou des PO ou le farming de PO, on verra. Mais la chaîne va commencer. Salut. Un des grands de ce monde est tombé aujourd'hui.
le vol draconique rouge assumera le fardeau de la réparation des dégâts causés sur Azeroth. Rentrez dans... J'écoute. Adieu. Puis-je vous aider? Prenez soin. Salut tout le monde, c'est Trilios. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et faut pas que je me fasse, ça fait déjà 5 fois que je le refais. Et si je me loupe, je explose mon PC. Donc pour cette vidéo, je vais répondre à la question de un de mes abonnés. Qui est donc Trilios, pourrais-tu nous faire une vidéo pour expliquer comment on pourrait avoir un proto-drake, s'il te plaît. Donc pour cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir cette monture qui est le proto-drake bleu. Donc elle est quelque part là dedans, donc je vais la chercher. Donc elle est où es-tu? Tu es là. Ah, elle est ici, très belle monture. Elle se loot donc dans une instance de Wotelka dans la cime d'une garde sur Skadil et Brutal en allez ah non désolé pour le bug en héroïque bien sûr. Voilà. Donc en ce moment j'ai pas mal de bugs à mon PC, donc je pense plutôt vous faire désaccélérer. Non, ne pas faire d'accélérer et vous montrer directement devant ce qu'a dit. Donc je vais tout vous expliquer avant. Donc, pour les flemmards qui ont pas envie de devoir traverser toute la Norfandre comme ceci en volant, il y a une astuce. Donc je pense que c'est pareil pour ceux qui viennent de la lit.
Donc en fait, ce qu'il faut, c'est DPS tout ce monde et ramasser les harpons. Et quand vous verrez apparaître un message sur votre écran, Skadi le Brutal est à portée des harpons, vous allez tirer 3 harpons, ce qui lui fera descendre 200 proto-drake. De toute façon, je pense que vous avez déjà dû le faire pendant que vous paxez de niveau. Donc voilà, donc, il faut d'abord toucher DPS. Donc désolé pour ce petit bug, ce n'est rien du tout. C'est... Ah, ils m'ont immobilisé, putain de sa mère. Voilà. Donc je fais que des AOE pour que ça aille plus vite, enfin des dots. Qu'est-ce que je dis des AOE? Des dots, ça ira beaucoup plus vite. Donc le mitraille, ça sert à rien. Donc les harpons, vous pouvez les voir dans votre inventaire. Donc là, j'en possède, je sais pas combien. Je sais pas, je vais en ramasser un, je crois pourtant. Ah, j'en possède, ça possède pas d'harpons. Donc on va tout de suite défoncer ces mecs. On va leur foutre toi, ça. Ils vont mourir tout seul. Toi, je t'aime pas, t'es noir. On se rigole. C'est vrai contre les noirs, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc il manque plus qu'un harpon, voilà, vous voyez ce qu'a dit le rotel des apportés d'harpon. Donc il va cracher, voilà, il va cracher du blanc, enfin, voilà, ça s'en bat les couilles, ça vous fera rien du tout. A la limite, si vous étiez pas level, ça aurait pu faire mal, mais là, en temps 90, vous vous battez les couilles. Donc on va finir de DPS, c'est Zarponeur, ça s'appelle comment? Harponeur Imijar, je sais pas quoi. Désolé pour ce petit bruit, c'est rien, c'est mon chien qui fait un bruit de merde. Donc en fait, voilà, Skadi, il est là, on lance 1, 2, et puis 3, et il va descendre de sa monture. Donc on va foutre la patate direct. Hop, on va passer 4 ans à tuer, hop. Voilà, il est mort. Voilà, donc il est vraiment, même unstuff n'ira du tout, vous le voyez très rapidement. Est-ce que j'ai la monture? Non. De toute façon, je l'ai déjà, donc j'ai loot cette dague, moi ça sera plutôt pas mal. Avec un peu de thunes et des étoffes de tigre. Donc, sur ce, bah, ma vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Vous pouvez vous abonner. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Quel chien ose s'introduire ici? Remuez-vous, mes frères! Un festin pour celui qui me ramène leur tête! C'est trop loin!
canaille. Vos cadavres dans les morceaux de soie pour un peu les sacs. Une attaque. Je vais vous montrer. Eh bien, salut tout le monde, c'est Théo, alias Nacho sur vous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien, étant donné qu'aujourd'hui, je vous présente mon premier guide sur cette nouvelle chaîne, WoW Community, qui regroupera plein de tutos, les nouveautés de WoW, ainsi que des gameplays, commentaires, des vidéos sur les events et encore plus. Je suis sur cette chaîne accompagné de Thomas, Afterskill sur WoW, mais qui n'est pas là pour ce premier guide. Il vous présentera des vidéos ultérieurement. Trêve de blabla, ce guide vous apprendra à avoir le proto drague vert, une monture simple, où il va falloir énormément de choses. Tout d'abord, rendez-vous en Orphan au bassin de Cholazar pour une suite de quêtes d'environ 40 minutes à tout casser si vous êtes level 85. Cherchez Poi, un lion noir à l'ouest du pilier confin du ciel, bien entendu tuez-le. Une fois mort, une quête apparaîtra, c'est là que tout commence. Faites alors toutes les quêtes jusqu'à ce que l'on vous demande de sauver un oracle. C'est là que votre réputation auprès des oracles augmentera et vous serez haï des Freenaker, la tribu que vous avez aidée auparavant. Faites encore une fois toutes les quêtes, vient la toute dernière où vous devrez un boss à 22 KPV au level 85, c'est vrai. Théo alias Nacho sur vous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien, étant donné qu'aujourd'hui je vous présente mon premier guide sur cette nouvelle chaîne, WoW Community, qui regroupera plein de tutos, les nouveautés de WoW ainsi que des gameplays, commentaires, des vidéos sur les events et encore plus. Donc bonjour à tous, bonjour à tous, ici Bono, on se retrouve pour un nouvel épisode du guide des montures rares de World of Warcraft. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir le protodrac vert. Donc, il faut se rendre juste ici, dans le bassin de Cholazar, pour débuter une quête. N'oubliez pas de placer votre map pour savoir, pour voir les quêtes de bas niveau si vous êtes niveau 90. Donc, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, pour avoir cette monture-là, il faut faire une série de quêtes pour monter sa réputation. Donc, c'est la première monture que je fais
qui nécessite de monter sa réputation, à part le serpent de Jade. Donc, on commence tout de suite avec cette petite quête que l'on prend. Où est-ce que je vous ai montré il y a une seconde? Il faut aller éliminer une bête. Donc, vous vous rendez là-bas, vous éliminez la petite bête, comme juste ici, et il va avoir un petit dialogue. Vous ramassez la tête, c'est pas vraiment nécessaire pour monter sa réputation, mais pour terminer la quête, si vous êtes bon niveau, ça donne de l'expérience. Donc, rendu juste ici, vous n'avez qu'à accepter la quête que le monsieur vous donne juste devant moi, tout le temps. Et en fait, cette quête-là, c'est vu que vous avez tué sa proie, vous allez devenir son esclave. Donc, vous allez faire plusieurs autres quêtes pour les aider, pour compenser ce que vous avez déjà fait. Vous vous rendez au village, vous terminez la quête, vous acceptez la deuxième quête. Donc, c'est vraiment une petite série de quêtes qui va vous permettre d'obtenir la réputation. Donc, cette quête-ci consiste à aller tuer quelques babouins. Donc, vous allez tuer des babouins et aller tuer d'autres gros babouins. Après avoir tué tous ces gorilles, vous n'avez qu'à parler à votre petit ami qui vous suit. J'ai toujours su qu'un jour, c'est moi qui serai chassé. On se retrouve pour le deuxième, pour la deuxième instance.
Bonjour à tous, donc là ça sera une vidéo qui vous montre comment everybody Dambo back for some more World of Warcraft here. A lot of people doing a lot of farming for transmogs and all that. Magister's Terrace happens to be a big one. Not a lot of people, or a few people, don't know how to get there, so I figure I'll pop up a map here and I'll show you. I'm in Shatrath City right now. A lot of places have flight paths. If you go to Silvermoon City, if you're Horde, I believe Ironforge can fly you there as well if you're Alliance. I don't know for sure on the Alliance side, I haven't looked. But here we are at the flight path here, so I flew in from the Hellfire Peninsula, and I just had him fly me over here. I didn't feel like flying, so I am over here now. So this is right where it's going to land you. And now you're going to do is you're going to run right in here into the Terrace of Light. And if you watch other videos, it's going to say, well, click on the your faction's portal. Well, here it looks like is your faction's portal right here. One into Stormwind, one into Orgrimmar. But in fact, you actually want to go directly on the opposite side. Fly right through that guy if you want. There'll be a portal right over here. This is for the Horde side. Alliance side, I'm sure, is probably over there. I'm not exactly too sure. But for the Horde side, it is right here. You just run up over here and click on it, and you are good to go. Oh, it can't be mounted, so unmount. Click on it again. And there you are. It'll port you guys directly to the Isle of Quel'Danas. And you'll be all set to go to wherever you choose to go. I hope this video helped. Make sure to subscribe if you liked it, and thumbs up if it helped. And hope to see you guys next time. Enjoy. Yo tout le monde, c'est Faldo, on se retrouve pour une petite vidéo sur le serveur Chimera ou Faux Elixir que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo, donc comme classe, je sais pas, n'importe. Par exemple je vais prendre un prêtre, donc je vais l'appeler Faldo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit guide sur World of Warcraft pour obtenir la fiole des sables. Qu'est-ce que c'est que la fiole des sables? C'est très simple, c'est une potion que lorsque vous la buvez, vous devenez un dragon. Mais vous le devenez vraiment, vous montez pas sur un dragon, vous devenez un dragon. Et vos alliés peuvent vous monter dessus, donc c'est une monture de place. Et autant vous dire qu'il n'y en a pas des masses des montures de place, donc ça vaut vraiment la peine. C'est une monture très convoitée, qui coûte très cher, qui... Voilà, ça prend vraiment beaucoup d'avoir, mais c'est pas facile, c'est pour ça que je vais vous expliquer comment on fait. Donc allez, c'est parti. D'abord, pour avoir cette monture, étant donné que c'est une potion, nous allons vous soigner de 1 alchimiste et de 2 pour trouver la recette. Là, c'est pas une recette qui est épisode avec le level et tout. Non, il faut que vous trouviez la recette. La recette étant liée au personnage, il faut que le personnage soit alchimiste lorsque vous farmerez la recette. C'est très 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 important ce que je viens de dire. C'est si vous le faites avec un personnage qui est ingénieur ou je ne sais quoi et que vous trouvez la recette, bah, vous êtes baisé, hein, il n'y a pas d'autre solution, vous êtes vraiment baisé. Donc du coup voilà, ensuite donc il vous faut alchimiste niveau 520, crafter la recette. Bon, ça c'est plus facile à farmer, hein. Enfin moi perso ça m'a pris genre une heure ou deux à farmer en achetant beaucoup de ressources pour à peu près 1000 PO et une heure de temps. Vous êtes niveau 700 easy, donc ça il n'y a pas de souci. Ensuite il vous faut l'archéologie niveau 520 minimum aussi. Alors ça c'est beaucoup plus long, mais si vous farmez bien au Royaume de l'Est ou en Kalimdor,
dans des zones où vous avez largement le level pour ne pas vous faire aggro toutes les 30 secondes par les mobs. En 4-5 heures de temps, vous êtes niveau 520. Et encore, moi j'ai pris mon temps, hein, mais si vous y allez franco, je pense qu'en 3 heures, il y a moyen d'y être. Et une fois que vous avez ces deux métiers-là, il faut que vous veniez ici, en Uldum. Alors Uldum, c'est où? C'est au sud, mais vraiment au plein sud de Kalimdor. Kalimdor qui est en Azeroth. Azeroth qui est dans le monde. Le monde qui est... Ouais, j'arrête. La blague a assez duré. Donc voilà, il faut que vous veniez en Uldum. Et dans Uldum, eh ben, il faut faire de l'archéologie. En faisant de l'archéologie à Uldum, vous débloquerez des reliques Tolvir. Et dans ces reliques Tolvir, il faut que vous trouviez un vase canopé. C'est un truc commun, un artefact commun. Ça, c'est pas du déqué à avoir. Mais une fois que vous avez le vase canopé, il faut l'ouvrir. Et dans ce vase, vous avez 4% de chance d'avoir la recette. La recette pour la faire des âmes. Une fois que vous avez la recette, il faut réunir tous les composants. Et pour réunir les composants, il faut dépenser un peu d'argent, beaucoup farmer. Enfin, c'est... Voilà, je vais pas tout vous expliquer pour les composants. Je vous laisse vous débrouiller parce que moi-même, j'en sais pas grand-chose, j'avoue. Mais voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Il y a quand même plusieurs choses cool. C'est que d'abord, pour vous remonter le moral, parce que là, vous devez vous dire... Oh mais c'est mort, je vais jamais la farmer, c'est beaucoup trop long et tout. Tout d'abord, première chose qui peut vous remonter le moral, c'est qu'une fiole des sables coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que si vous en faites, on va dire, deux par mois, vous pouvez jouer à World of Warcraft gratuitement. Une autre fiole, ça coûterait, on va dire, 60 000 PO, sachant qu'une pièce grosse, 60 000 PO, ça dépend, ça fluctue, c'est un peu comme la bourse. Et par contre, un truc que j'ai oublié de dire et qui est extrêmement chiant, c'est que si il n'y a pas de site de fouille, genre comme actuellement, là il n'y a aucun site de fouille à Uldum, ce qu'il faut faire pour en déverrouiller, il faut que vous fassiez les autres sites de fouille. Donc là par exemple, si je veux avoir une chance de débloquer un site de fouille à Uldum, il faut que j'aille faire tout. Les meilleurs produits de tout Kul Tiras. Bon voyage.